La tempête de l'année qui vient d'apparaître alors que je suis encore en plein milieu de nulle part. Je trouve ça un petit peu injuste, hein. Aouh, ça craint un peu du boudin. Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans la suite de Metro Exodus. Je vais donc me diriger vers un des autres points d'interrogation de la map. Avec la tempête qui arrive là, je sais pas si c'est dangereux pour moi ou pas. Je vais penser que oui. Ils ont des armes ou pas? Paladin? Ah ok, c'est bon. Pas d'armes, hein. J'ai failli vous tuer, les gars. Je vois que tu es un homme raisonnable. Ne pointe pas ton arme sur nous et tu sens notre point. Mais on n'a pas le temps de discuter avec toi. T'inquiète pas, moi non plus, j'ai pas le temps de discuter. Il s'est passé un truc ici. J'ai l'impression qu'il jouait aux cartes. Sex show, c'est écrit. Alors, je suis arrivé vraiment après la fête. Ça s'est très mal passé. Waouh! Mais je sais rien! C'était juste une partie comme les autres. Il a fallu qu'un abruti se mette à tricher et il a dégainé le premier. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, ils ont tous ouvert le feu. Ok. C'est une histoire en plus dans le jeu. Genre en fait, c'est des bandits qui devaient surveiller la zone et ils sont tous entretués parce qu'ils ont joué au poker et quelqu'un a triché, tu vois. J'aime bien ce genre de mini-histoire à découvrir. Ah. Problème? C'est moi ou quand ils meurent, ils deviennent du... deviennent blancs, c'est bizarre. La tempête s'est arrêtée. Donc la météo, elle est dynamique a priori. Franchement, c'est cool. Ça donne une ambiance, tu sais. Une petite ambiance vraiment perdue dans la merde, quoi. Aou ! Enfoiré. Bon, écoutez, on va aller directement là-bas. Oh, bordel! Il est mort. J'ai à peine fait deux pas dans l'eau, ok? Quoi, ça a pas l'air sain, ici. Évite les remous qui sont là. Je suis sûr que je tombe dans l'eau là, j'ai des maladies pour... je ne sais plus quoi en faire quoi. En tout cas, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que la lumière, elle éclaire vraiment, tu vois. Quoique... là, elle éclaire beaucoup mieux. Tu vois, en fait, le truc, c'est qu'il faut la charger. Et ça, c'est cool, c'est une lumière qui, même si elle est faible, elle éclaire quand même. Tu sais, j'ai joué à des jeux d'horreur où il n'y a aucune lumière, quoi. C'est horrible. Même si t'es pas Outlast. Je sais qu'il fait nuit dans Outlast. C'est beau, hein? Enfin, c'est beau, même si c'est moche. Enfin, je veux dire, c'est beau dans la dégueulassitude. Enfin, j'aime comprendre, quoi. Cet endroit ne me dit rien qui vaille, mais je crois que c'est ça que je veux récupérer. Attends, je peux pas me garer. Non, je ne peux pas me garer juste à côté. Je dois me garer ici, en fait. Je dois faire tout le tour pour monter. Ou une balle G. 45? Ouais. Eh ben, ça promet. Alors, on va voir si cette arme, maintenant, est plus puissante comme ça. Ça va faire du bruit quand je vais commencer à tirer avec. Bien sûr, il a fallu qu'il y avait... Oh. C'est pour choisir une. Alors, problème. Petit problème. Dans cette eau, on a des invités. On n'a pas très envie, en fait, d'aller les voir. On va prendre les champignons fluorescents. Parce que dans la poche, à ce qui paraît que ça, dans ma poche, en fait, ça fait pas que j'ai pas d'enfant, tu vois. Je deviens pas stérile.
C'est faux, en fait. C'est des rumeurs, ceux qui disent que je vais devenir stérile avec ça dans les poches. En guette au moment. Allez, cours. Sérieusement, quoi? Alors, dis-moi que ça va pas casser. J'ai dit, dis-moi que ça va pas casser. Let's go. Mec. Gros poisson dans l'eau. Oh, fuck you. Oh. On a de la chance que ce gars arrive. Quand t'as peur, tu grimpes où tu peux. Artyom, Artyom, réponds. Perds ton signal. Il y a des tonnes de ferraille et de béton dans le terminus. Ne pas brouiller ton signal. Tu vois, je récupère énormément de ressources, en fait, à droite à gauche. Ok, petit problème. Ça va, tout va bien. Le petit problème a été résolu et traité. Les mutants ne peuvent rien me faire parce que j'ai une des meilleures armes du jeu, ok? J'aimerais bien répondre, mais tu sais très bien que je suis muet. Et que je ne peux pas parler. Moi, il a pu rater... Parfois, il rate. Et je comprends pas comment c'est possible. Arrête, je vise bien. Et il m'a lancé un caillou, look. Ça fait mal, hein. Et allez, grimpe, 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 grimpe. Le gars, ce poisson ne nous aime pas. Ce truc là, ça pète ça. Monte, monte, monte. Je sais pas pourquoi. La musique s'est emballée. Je sais pas où je dois aller en fait, mais la musique s'emballe. Attends, tu sais quoi? Je vais... Aïe! Il est où? Il est là. Mec, 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 mec. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce qu'il a voulu faire en fait avec le mur. Mais il le frappe. Il me reste 20 balles. Allez, cours. Putain, le poisson chat. Mais le poisson chat, c'est... C'est un poisson chat, il a des pattes!
C'est un crocodile ton truc. Ah mais les gars. Bonjour, je suis un poisson chat, je suis là pour vous manger. Fuck is that? C'est des tombes? Ah! D'accord. C'est les tombes des mecs. Ouais, j'ai compris. C'est les mecs du poisson chat. Tu sais, du. Ils vouent un culte au poisson, en fait. Y'a un truc que je peux charger? Métro 2034. J'ai pas vu, c'est trop bien. Je peux pas faire sonner la cloche. Bon, y a rien d'autre hein, ici, on est d'accord. Peut-être une caisse ici, ouais. C'est pas cette caisse-là que je voudrais ouvrir, mais ça marche aussi. Waouh. Je pense que ça sert à rien. C'est du lore. Nous vient... Ah, c'est la vision nocturne. Ça va servir, ça. Appuie sur F pour allumer ou éteindre vos lunettes de vision nocturne. Pour N, pour enlever ou mettre. Donc maintenant, je peux passer par là, tout simplement. Parce que grâce au fait que... Ah, mais oui. Et je peux sortir par ici. Est-ce que je peux ouvrir ça? Ok, c'est cool, maintenant on a accès à ça. Et ça, c'est pas un wagon, hein. Ça, c'est juste le truc qui ramène le wagon, c'est ça? Comment on appelle ça? Comment ils appellent ça? Un trolley, je sais pas quoi, je sais plus comment ils appellent ça. Ça, c'est juste l'appareil qui me permettra de ramener le wagon, vous imaginez? Je peux le piloter ou c'est une cinématique? Alors, Z et S pour piloter, appuie sur l'espace pour visiter le siège dans la direction opposée. C'est top. Sauf que la porte est ouverte. J'aimerais bien la fermer, cette porte. J'ai vraiment pas envie, en fait, d'être... Comment te dire? Que les trucs peuvent rentrer, tu vois. Yo, salut les gars. Ouais, ça va. Mais un gros poisson chat, quand même. Il y avait des chances, ouais, ça captait pas très bien. Il y avait énormément de mutants et un poisson chat géant. Pourquoi elle tousse encore, elle? On a un petit souci, là, par contre. Je pense qu'on va aller... On va avoir une petite résistance humaine, hein. Je pense pas que j'arriverai à passer, hein. Ah bah si. Ah bah non. Si, il a tout pété. Pourquoi ça avance plus? C'est quoi le souci? Non, d'un coup. En fait, le truc, il bloque, mais en fait, ça passe, en fait. C'est juste que ça a bloqué, je sais pas pour quelle raison. Là, par contre, je passerai pas. Ouais. Pourquoi ça leur dure? Je vous ai rien fait, moi. Je veux dire, on a rien de personnel entre nous, c'est juste pro, hein. Je vois pas les insultes. Je vois pas pourquoi on insulte. C'est n'importe quoi.
Ils ont perdu un gars et on est dans la merde. Encore une fois ? Pourquoi m'insulter ? Il a une armure lui ou quoi ? Passe comment là ? Arrêtez de m'insulter gratuitement, c'est pas gentil. Ah ou. Le mec il est en bas. Ah ! Ça fait exactement ce que je voulais que ça fasse. Vous avez vu les balles comment ça vole ? Elles volent pas droite. Mais je pense que c'est parce que peut-être que mon arme est pas propre. Ouais, les balles elles vont vraiment à droite et à gauche quoi, elles vont un petit peu partout, tu vois. C'est super pas précis. Le gars qui regarde même pas dans la bonne direction. La balle en fait tu tires la croix ici, elle tire 20 millions. Regarde, en plus elle est gommée de boue en fait, c'est normal. Du coup, en fait, c'est marrant parce que cette arme-là est beaucoup plus précise alors qu'elle est aussi crade. On va rentrer par l'autre côté. Est-ce que je peux crafter des trucs ici ? On va vite fait. J'ai l'impression d'être un petit peu dans Last of Us. C'est dans le même principe, c'est-à-dire que tu trouves un endroit pour te cacher, pour pouvoir crafter. Là c'est cool parce que là du coup ils savent pas où je suis et donc du coup je peux me taper un petit truc infiltration. Non, c'est pas le mien. Tout va bien. Les mecs sont en train de marcher dans tous les sens au-dessus de moi. Ils savent pas où je suis. Merde, mais pourquoi il m'a vu là ? Je suis coincé dans un putain de trou. On est bien là, non ? Pas moyen que je crève pour cette merde. On m'a pas vu encore. Cet enfoiré qui... Yo ! J'adore comment je me suis soigné. Je sais pas pourquoi j'ai passé mon temps à me soigner. Je crois que c'est le même bouton, non ? Enfin, il faudrait que je revoie en fait en situation de combat. Je pense qu'on a tué tout le monde là, non ? On va looter l'endroit. Donc en fait c'est ça que j'ai récupéré. C'est un...
c'est un wagon pour Aurora. Et ça me permettra en fait à tout le monde de dormir tranquille, tu sais. Il y a un gars qui reste, je sais pas où il est. J'ai gagné ? Ah ! Ça fait plaisir. On est cool. Poum ! Voilà. Bon, j'ai tué tous ses potes, donc du coup, je suis pas sûr qu'on soit super méga cool. Mais bon. Bon, ça va, c'était un peu dégueulasse en termes d'infiltration, etc. Mais on est sorti vivant. Donc du coup, c'est ce qui compte, je suppose. Et puis, vous savez, infiltration à 100%, c'est pas non plus ma tasse de thé. Moi, j'aime bien, en fait, bastonner un petit peu. Pour moi, les FPS, c'est ça aussi avant tout. Est-ce que c'est de l'essence? Pas que j'oublie que je vais récupérer de l'essence pour l'autre salle. Un petit peu plus loin. Je vous avouerai que je sais pas s'il fallait passer par là, mais... ça marche. C'est dégueulasse. J'ignore pourquoi j'enregistre ça. À quoi bon entretenir l'espoir ? Silentus n'est pas bête. Oh, dude ! Je suis désolé, mec. Je pensais pas que j'allais te cramer comme ça. Ben c'est cool! On a pu récupérer en fait un wagon parfait pour l'Aurora. Parce que là, clairement, je suis là-dessus. J'ai l'impression que je vais rouler là-dessus, là. Ça marche, là? Écoute, tu sais quoi? Je me pose trop de questions, je pense. Je pense que ça marche direct. C'était automatique! Tu te poses des questions pour rien, parfois. Bon, bah du coup, c'est parti, mon kiki, hein. Allez, au revoir, hein. Ou comment se faire défoncer par tout le monde qui est dans les parages, parce que t'es le seul train qui fonctionne. C'est compliqué, hein, la vie. Donc, clairement, ouais, c'est un peu risqué. Arcom, on te voit. Bon boulot. Maintenant, ramène-toi ici. La caravane est arrivée. Home sweet home. Regardez ce que j'ai ramené pour vous, les gars. J'espère que vous êtes contents, hein. C'est un super cadeau. Je fais pas le chargement ? Youpi, notre ancienne maison. Comment ça, votre ancienne maison ? C'est incroyable ! Déjà à l'époque, j'ai vu que t'avais du potentiel. Oh, Cartier, tu vas retrouver mon nounours ? Oui, j'ai retrouvé ton nounours. Magnifique. Nounours ? Nounours, te revoilà vraiment ! Tu es mon héros, nounours ! Ouais, il a senti un peu mauvais, ça il était comme... Nounours est revenu ! Tu n'as rien oublié. Oh, merci, oncle Artyom. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, c'était pas dangereux du tout ! De récupérer ce nounours. Pas du tout. Désolé de t'avoir coupé, mec. Salut. Artyom, monte ! Il faut que je te parle de quelque chose. Ouais, chef. Artyom, je ne sais même pas comment te remercier. Moi, je sais. Artyom, t'es un chef. T'as qu'à me faire une tarte. Je t'en vaudrais ça. Fais-moi une tarte. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as fait du bon boulot, merci. Alors, voilà le plan. Mm-hmm. Ton groupe capture le remorqueur, puis Duke, Crest et toi, vous rejoignez le pont. Pendant que Crest occupe les gardes, Duke et toi, vous montez discrètement dans la salle des commandes et vous baissez le pont. D'accord. À ton signal, on force le passage, on vous récupère et... eh ben, on prie pour que ça fonctionne. Ça a l'air. Je peux pas vous fournir de soutien direct à Duke et à toi. Ok. D'après nos renseignements, l'ennemi a concentré ses forces au barrage. Ah, une dernière chose, Artyom. Fais attention à Duke, ok ? C'est un bon éclaireur, mais... c'est un peu une tête brûlée. Ça, j'avais remarqué, oui. Il est jeune, mais s'il continue comme ça, qui sait ce qui peut lui arriver. Donc, montre-lui l'exemple et ne prends aucun risque. T'es son modèle. Alors, souviens-toi que tu fais partie des forces spéciales et ne fonce pas dans le tas. Bonne chance, Artyom. Mec, t'es sûr que tu me connais ? Parce que je suis quelqu'un qui fonce souvent dans le tas. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, prêt pour la dernière ligne droite ? Tiens. Ouah ! Tu l'as trouvé où ? Merde, c'est génial ! Merci, mon pote. J'ai vraiment pas quoi dire. Tu l'as trouvé où ? Exactement là où tu m'as dit, où c'était, hein ?
Tu vas faire de la musique copyright? Parce que sinon, je te préviens, ça va pas le faire entre nous. En tout cas les amis, si vous avez apprécié cet épisode, faites-le moi savoir en laissant votre plus magnifique et juteux pouce bleu. Si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, utilisez le code CEROS sur le store Epic ou utilisez le lien Utip dans la description, c'est totalement gratuit. Bref, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. CEROS, out.